Ce 19 octobre, la nation rend hommage aux tirailleurs africains à travers le ministère en charge des anciens combattants. C'est à l'occasion de la journée du tirailleur célébrée ce matin à Ouagadougou en présence de la hiérarchie militaire. Reconnaissance, hommage et recueillement, nous relate Moussa Ouédraogo et Sékou Zongo. Moment solennel ici à la place de la Révolution de Ouagadougou. Le Burkina Faso commémore le tirailleur africain. Cette journée lui est entièrement dédiée. Par cet acte, la nation burkinabé rend hommage aux anciens combattants. C'est pour vraiment saluer le courage et la mémoire de nos anciens combattants, surtout ceux qui ont combattu auprès de la France. Un pays qu'ils ne connaissaient pas, mais ils se sont donnés. Ils ont payé le prix de leur sang pour que cette nation puisse avoir la démocratie et la liberté. Et nous voulons célébrer cette journée en leur mémoire et profiter également, lancer un appel à tous les Burkinabés, qu'ils prennent le modèle de nos anciens combattants, qu'ils prennent le modèle et qu'ensemble, on s'unisse pour défendre notre pays. Ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre. C'est un pays qu'on nous a donné en héritage. Et nous devons défendre notre héritage. Un héritage légué par les anciens, aujourd'hui fiers de la génération qui a su le relais. Cette journée du tirailleur africain, plus qu'une reconnaissance, est un moment de recueillement. Nos anciens sont morts dans le temps pour défendre des pays et qui sont libres aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont nos enfants, à nous-mêmes, qui se battent sur les théâtres d'opération pour que notre pays soit libéré de cet obélisque-là. C'est une grande journée pour nous parce qu'on ressuscite la vie de ceux qui sont passés. On revit. Donc ça, la jeune génération va quand même connaître ce qu'ils doivent faire pour ceux qui vivent avec eux pour le moment. Et il faut maintenant qu'ils fassent une jeune génération nouvelle. La journée du tirailleur africain est célébrée chaque année au Burkina Faso en reconnaissance du sacrifice des anciens combattants aux côtés de pays amis. Cette journée est aussi une manière de perpétuer l'esprit du sacrifice, surtout dans le contexte sécuritaire que vit le Burkina Faso.